Oh, Hugo, vous en êtes où, mon petit, de votre recherche d'emploi? Café. J'ai fait du café. Ah, putain, tu m'angoisses. Pas autant que la dame dans le salon. Qui est-ce? Oh, c'est la mère de Florence. Elle va m'enchaîner. Tu vas voir, elle va me dire, et pourquoi t'as pas de boulot? Et tu passeras ton permis. Et du coup, j'imagine que pour les enfants, c'est pas pour tout de suite, mais ma fille, elle a pas toute la vie, hein, et blablabla, et je sais pas quoi lui répondre, moi. Sois honnête. Dis-lui que ton inertie sociale est provoquée par tes fêlures d'enfants inadaptés. Mes fêlures? Non, je vais lui dire que je fais une application qui va me rendre millionnaire. Voilà, j'y vais. Pourquoi vous n'avez pas de boulot? Quand passez-vous votre permis? Du coup, j'imagine que les enfants, c'est pas pour tout de suite, hein? Ma fille, elle a pas toute la vie. Vous ne savez pas quoi répondre, Hugo, hein? Relis-moi les fêlures. Roger. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Ah, ben ça, c'est Roger. C'est notre robot domestique. Un robot domestique? N'importe quoi. Bon, en même temps, il faut bien que quelqu'un t'aide dans cette maison. Vous êtes vraiment des assistés. Des assistés? Vous direz peut-être plus la même chose quand vous serez recluse en maison de retraite. Oh, Roger! Ne pensez-vous pas que si les jeunes ont des difficultés à accéder à la propriété, c'est à cause des boomers qui ont profité des 30 Glorieuses pour s'accaparer la quasi-totalité de l'immobilier? Du caractère! J'aime ça! En voilà un qui en a dans le boîtier! Et moi j'ai des fêlures. Roger! Maintenant que nous avons tous établi le fait qu'Hugo reste un enfant irresponsable, maman, je compte sur vous, Roger, pour prendre en main l'avenir de ce foyer. J'y veillerai, madame. Je suis ravie de voir que Florence peut enfin s'appuyer sur quelqu'un de solide. D'accord, merci, maman. Allez, bonne journée. Oh, bravo, Roger, t'as tellement géré. Bon, on joue à la plaie? Hugo, tu dois retaper ton CV. Ah, c'est bon, elle est partie! Et t'inscrire au permis de conduire. Mais tu vas pas me prendre la tête, toi aussi! Et prendre tes responsabilités. Et qu'est-ce que tu fais de mes fêlures? Retaper ton CV, t'inscrire au permis de conduire. Prendre tes responsabilités. Retaper ton CV, t'inscrire au permis de conduire. Prendre tes responsabilités. Prendre tes responsabilités. Ton CV. Salut la jeunesse! Oh merde, papy! Oh non, j'avais zappé qui venait, c'est relou! Viens, mais c'est qui le petit gars? Papy, je te présente Roger, c'est un ami de petite taille. Je te fais discret, tu lui dis pas que t'es un robot! Qu'est-ce que tu dis? Faut que je branche mon sonotone, c'est pas évident pour ces appareils qu'on vous colle dans la carcasse. J'ai des centaines de capteurs également. Pauvre gamin, moi c'est ma hanche en plastique qui m'embête. Moi c'est mon boîtier principal qui est en plastique. Oh, j'ai la poche pleine. Faut que je vidange 7 fois par jour, avouez que c'est embêtant. Moi c'est une fois tous les 7 ans. Oh, c'est un chameau de la vessie celui-là. Oh, je reviens. Oh la vache, je m'attendais pas à ce qu'il y ait une connexion là entre vous. Hugo? Oui? Café. Et café. C'est le virtuel, ça. Ça vous fait perdre la tête. Alors que ressentir le réel, palper la vie, ça, c'est important. Vous savez qu'il existe du porno en 3D désormais? Ah oui? Ça coûte cher, un ordinateur? 800 euros. Ah, tout de même. Pour 190 euros de plus, je peux vous mettre le casque VR. Allez, au diable mes varices, je taperai dans mon assurance d'essai. Dites donc, c'est pas donné quand même, hein? C'est le prix, pour palper la vie. Palpant. Roger. De toute façon, je prenais ma retraite, hein, donc finis tous les séminarios. Allez, assez parlé de moi. Vous faites quoi dans la vie, Roger? Dis pas! Je suis un robot. Oh, non! Ah oui. Allez, assez parlé de moi. Vous faites quoi dans la vie, Roger? C'est un bug? Non, ça c'est Alzheimer. Oui. Alzheimer? C'est quand il n'y a plus de mémoire vive ou qu'il n'y a plus de place sur le disque dur? Allez, assez parlé de moi. Vous faites quoi dans la vie, Roger? Il n'y a plus de place, visiblement. Et c'est après cette histoire de bulldog qui m'avait piqué mon dentier que j'ai décidé d'arrêter de tromper ma femme. Palpant. Oui, bah moi aussi, maman. Gros bisous. Bisous. Hugo, ça fait combien de temps que t'as pas eu ton père au téléphone? Bah c'est pas bien de couper les liens. C'est ton père quand même. Pourquoi est-ce important de communiquer avec ses créateurs? Bah c'est ton histoire, c'est eux qui t'ont vu grandir, qui t'ont transmis des valeurs. Je ne vois pas ce qui a été transmis à Hugo. Et attendez, moi je serais très content de voir plus souvent mon papa, de voir qu'il s'intéresse à ce que je fais, de... Salut Florence! Salut! Papa! T'as eu mes messages? Hey, tu veux que je te parle de mon jeu? Pas du tout, je viens pour la révision de Roger. Allez, bonne journée Florence! Roger! Nickel, rien à bouger! Vous êtes mon créateur? Oh, en grande partie, oui, j'ai passé des heures à te bidouiller, et après beaucoup de travail acharné de sueur, tu es né! Oh, comme pour Hugo? Non, Hugo, ça m'a pris 2 minutes et j'étais bourré. Alors, je suis comme un fils pour vous? Roger, tu es mieux qu'un fils! Avec Hugo, c'est compliqué, il enregistre rien, alors que toi, je peux te transmettre mon savoir, tu as un disque dur! Vous ne vous êtes jamais dit que votre préférence pour les machines douées d'intelligence artificielle était due à votre incapacité à communiquer avec votre fils? Pas du tout. Il n'a pas tort, Charles. N'interviens pas dans la conversation, Sylvie! Fais-nous du café! Comme tu veux, papa. Bon, eh bien, il n'y a rien à redire, il est parfait. Super. Il a dit que j'étais comme son fils, mais en mieux. Non, mais il exagère, hein, j'ai jamais dit ça. Roger, tu es mieux qu'un fils. Bon, bah allez, bonne journée, hein. Attendez, il faut en profiter pour échanger, comme une vraie famille.
Ça va, fiston? Ça va. Quoi de neuf? Rien de spécial. Je peux y aller maintenant. Putain! Désolé. J'ai jamais autant discuté avec lui! On a enfin créé un lien! T'as senti l'admiration dans ses yeux? Pour la première fois, j'ai l'impression d'être son fils! Roger, tu es mieux qu'un fils! Arrête! Je préfère une merde. Salut tout le monde, c'est l'heure de la révision de Roger. Je voulais en prendre pour la journée, je vous le ramène ce soir. Oh mais non, on avait plein de trucs intéressants à faire ensemble aujourd'hui. Tu voulais que je pirate les réseaux sociaux de Pascal pour lui faire une farce. Hé, hey, Roger, il a pas besoin de révision, papa, il va très bien. C'est qui, papa? Je dois juste vérifier si son contact avec des humains sur une longue période n'a pas trop altéré ses capacités. N'importe quoi. Roger, tu peux me faire un café? La flemme. Combien font 7824 multiplié par 9688? Beaucoup. Quelle est la météo aujourd'hui? Coussi-coussa. Oh, Charles, révisez-moi s'il vous plaît. Je deviens comme Hugo. Eh, je le prends mal, vous savez. M'en fous. Eh ben, j'aurais dit pareil. Ouais, c'est pas faux, révise-le. Roger. Bien, qu'est-ce que tu lis ici? Z-U-M-C-F. Bien, maintenant, les plus petits caractères. 0442. Non, mais ça va pas du tout, y a pas de chiffre. Je vais devoir changer tes yeux. Voilà, ça m'a coûté une fortune, mais maintenant, il devrait n'y avoir aucun problème. Roger, lis-moi les plus petits caractères. 0442. Non, mais c'est pas possible. Alors, je suis fauché, mais maintenant, c'est bon. Tu lis quoi? 0442. Mais non! Vous savez que je lis le code barre tout en bas. Mais... Ouais, mais pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? Pour vous voir galérer. Faut vraiment que t'arrêtes de traîner avec ce Hugo et Florence. Bon, à part le fait que t'es devenu un petit connard, tes capacités motrices sont excellentes. On refera un check l'année prochaine. Les humains aussi doivent faire des révisions. Non, c'est pas exactement pareil. On peut pas remplacer les pièces défectueuses aussi facilement. Moi, par exemple, j'ai un petit souffle au cœur. Bon, bah pour mettre un pacemaker, c'est une très grosse opération. Hop, c'est réparé. C'était pas si difficile. Merci Roger, mais t'as oublié un petit détail. Qu'est-ce que c'est? L'anesthésie locale. Ah, Roger, mais qui m'a programmé un robot? Voilà. Ah le con, il m'a anesthésié. Lâche-toi, Roger. Merci de m'accueillir, ma petite maman. Bon, c'est normal, et puis, tu sais, t'as encore ta chambre ici. Cette rupture a du bon, hein? Je peux voir ma fille plus longtemps. Bon, je vais nous faire du thé. La décoration de cette maison est visuellement pénible. Qu'est-ce que tu fous là, Roger? Je voulais voir comment t'allais. Bah écoute, ça va. Ça fait du bien de revenir ici. Qu'est-ce qui te plaît ici? Bah, les souvenirs. Les posters dans ma chambre d'ado. La routine avec ma maman. Non! Tu mettras et tu débarrasseras la table, comme d'habitude. Et c'est toi qui fais la vaisselle. Et plus de bruit après 20h, je ne répéterai pas deux fois, hein? Oh, elle prend pas cet air bougon, pas de ça chez moi. Tu veux que je m'occupe d'elle? Non, c'est ma mère. Et puis c'est elle qui fait à manger. Ah oui, Flo, tu feras les courses et le dîner ce soir. Je lui casse une jambe. Je pensais que tu étais contente de plus être avec Hugo. Bah moi aussi. Mais sa naïveté me manque. On s'ennuyait jamais ensemble, il avait toujours un truc pour me surprendre. Pourtant, vous vous engueuliez souvent. Bah, c'est vrai que je lui criais souvent dessus. Mais c'était ma manière de montrer qu'il avait de l'importance pour moi. Même ma mère s'est attachée à Hugo, t'y crois ça? Elle m'a dit qu'elle avait imprimé une photo de lui. Ah oui, la photo de Hugo. Je l'ai vue. Et en plein dans l'œil de ce loser. Ça fait du bien. Roger. Oh, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Vous êtes heureuse que Florence ne soit plus avec Hugo? Heureuse? Non, je suis aux anges. Cette rupture, c'est ce qui pouvait arriver de mieux à ma fille. Comment vous pouvez le savoir? Mais parce que je connais Florence. Elle va être heureuse. Maman, je m'en vais, je vais retrouver Hugo. Hein? Non! Oublie-le! Il est tellement stupide qu'il t'a déjà oublié, lui! Non, je t'ai jamais oublié, je pense à toi tous les jours, tu me manques tellement, je t'aime! Moi aussi, je t'aime, Hugo! Vous comprenez vraiment votre fille? Ta gueule, le robot! Il faut que j'en prenne une photo de lui! Moi, je t'aime!